I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. This morning we have a special service. Ce matin nous avons un service spécial, un culte spécial. In fact, we have two services in one. En fait, nous avons deux cultes, deux services en un seul. We'll have the normal English service. Nous aurons le culte normal d'anglais. And we are going to end up blessing the wedding. Et nous allons terminer par bénir un mariage. The couple, the bride and the groom are not yet here. Le couple, le marié, l'homme et la femme ne sont pas encore là. So they are going to join up while we are busy continuing our service. Alors nous allons attendre un peu pendant que nous sommes en train de continuer avec le culte. Let us pray. Prions. Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Seigneur, au nom de notre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. We call upon your name this morning. Nous faisons appel à ton nom ce matin. We need your help. Nous avons besoin de ton aide. We pray that you pour your Holy Spirit upon us. Nous voulons que tu puisses déverser ton Saint-Esprit sur nous. To give us strength so that we can preach your word. Nous donner la force afin que nous puissions partager ta parole. And to help my brothers and sisters. Et pour aider mon frère et mon sœur. To listen to the word. D'écouter ta parole. And to put in practice. Et le mettre en pratique. Father, in our weakness. Seigneur, dans notre faiblesse. We confide unto your hand. And we hope that, Father, you will perform among us. Et nous espérons que tu vas te manifester au milieu de nous. Bless this word, Lord. Bénis cette parole, Seigneur. In the name of Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Brothers and sisters, I have four scriptures this morning. Frères et sœurs, j'ai quatre paroles d'écriture ce matin. I'm going to talk about the advantages of the works of the faith. Je vais parler des évangélistes de les advantages. Les avantages of the work of the faith. Du travail de la foi. Des œuvres de la foi. Des œuvres de la foi. Yeah. We are in the theme of the faith in action. Nous sommes dans le thème de la foi en action. So we are called to demonstrate our faith in good deeds. Alors nous sommes appelés à démontrer notre foi par de bonnes œuvres. It is true that we are saved by faith. C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi. But we have to show our faith by our deeds. Mais nous devons démontrer notre foi par les actions. And God has prepared the good deeds that we have to do. Et Dieu a préparé les bonnes œuvres que nous avons à accomplir. So that we may do it. Afin que nous puissions les accomplir. When we do the good deeds, we do the good works. Lorsque nous accomplissons ces bonnes œuvres, sooner or later, tôt ou tard, we will have the advantages. Nous aurons les avantages. Sooner or later, tôt ou tard, we will have the rewards. Nous aurons les récompenses. So when we sow the good deeds, alors lorsque nous sèmons les bonnes œuvres, we will reap many good things from God. Nous allons récolter beaucoup de bonnes choses de la part de Dieu. Amen. Amen. So this morning it is an invitation for us to do the good works. Alors aujourd'hui c'est une invitation pour nous pour faire ces bonnes œuvres. There is an English proverb that says. Il y a un proverbe en anglais qui dit. What goes round comes round. Ce qui va d'un sens revient de l'autre. It means that what you do to other people. Ça veut dire que ce que nous faisons aux autres will come back to you again in another way. Nous reviendra d'une certaine autre manière. So when we sow the good deed, the good works. Alors lorsque nous sémons des bonnes œuvres, des bonnes actions, we will reap the good things, the blessing from God. Nous allons récolter des bonnes choses, des bénédictions de la part de Dieu. So this morning I'm going to talk about to give three or four examples. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de trois ou quatre exemples. The things that we can reap from our good deeds. Les choses que nous pouvons récolter de nos bonnes œuvres. Now the first passage that we are going to read. Alors les premiers passages que nous allons lire. We are going to read in the book of Acts of Apostles. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres.
In chapter 9, au chapitre 9, verse 36 to 42, au verset 36 to 42, au verset 42. I don't know if you are hearing me well. Je ne sais pas si vous êtes là. If they are hearing me well. Je ne sais pas si vous m'écoutez correctement. Oui. I don't have enough sound. I don't know. Il n'y a pas assez de son de la part de. I don't want to shout because my throat has got problems. Je ne voudrais pas crier parce que ma gorge a un peu de problème. So we are going to read Acts of Apostles chapter 9 verse 36 to 42. Alors nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 9 à partir du verset 36 à 42. In Joppa there was a disciple named Tabitha. In Greek her name was Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent two men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed, turning toward the dead woman, and he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Amen. Amen. So we have here a nice story. Alors nous avons ici une belle histoire. About a woman who died. Au sujet d'une femme qui est morte. That was in the town of Joppa. Qui était dans la ville de Joppé. There was this lady by the name of Dorcas or Tabitha. Il y avait cette femme qui avait pour nom Dorcas ou Tabitha. Listen what the Bible is telling about her. Écoutez ce que la Bible dit à son sujet. On verse 36. Au verset 36. It is written this. Il est écrit. She was always doing good and helping the poor. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et aidait les pauvres, donnait les aumônes. So they say that she was always doing good. Alors on dit. Elle faisait toujours always, du bien. Toujours. Always, toujours. Always doing good. Toujours faisant du bien. And helping the poor. Et aidant les pauvres. That was her ministry. Ça, c'était son ministère. So this woman was specialized in doing good things to the poor people. Alors cette femme avait pour spécialité faire du bien aux pauvres. Now, unfortunately, the Bible said that she happened to get sick and die. Mais malheureusement, la Bible dit que il est arrivé qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte. No, she was helping the widows. Alors, elle aidait les veuves. I think that she was the leader of the widows. Je pense qu'elle était le leader des veuves. And she was helping them. Et elle les aidait. She was making clothes and helping the widows. Alors, elle faisait des habits pour eux qu'elle tricotait et elle aidait les veuves. When she died, alors, lorsqu'elle est morte, they washed her body. On a lavé son corps. And put it in the upstairs room. Alors on a mis dans une salle haute. And the widows were around the body and crying because of her. Alors les veuves l'avaient entouré et pleuré à cause de sa mort. Tabitha was called also a disciple of Jesus Christ. Alors Tabitha a été aussi appelée un disciple de Jésus-Christ. And I want to insist here. Et j'aimerais insister ici. To say that first of all, she was a disciple of Jesus Christ. Que premièrement, elle était d'abord un disciple de Jésus-Christ. And secondly, she was always doing good to people. Et deuxièmement, elle était toujours en train de faire du bien aux gens. And she was helping
et elle l'aidait, les veuves. So when she died, alors lorsqu'elle est morte, the member of her group, le membre de son groupe, came and they were crying, they were shouting, they were crying around her body. Ils sont venus et ils criaient autour de son corps. And they heard that Peter was in a nearby town. Alors ils ont entendu dire que Pierre était dans une ville tout près. And they sent some two people to go and call Peter to come to that place. Et ils ont envoyé deux personnes qui sont parties pour le prendre, le faire venir. When Peter came in the upstairs room, alors lorsque Pierre est arrivé à la salle de la chambre haute, she found them crying. Il les a trouvés en train de pleurer. And the Bible said that they were showing him the clothing that she made when she was alive. Alors la Bible dit que ils ont commencé à lui montrer les habits qu'elle avait tricotés, qu'elle avait faits pour eux lorsqu'il était elle était vivante. In fact, what was happening there? En fait, ce qui s'est passé là, the widow could not accept that she died. Les veuves refusaient d'accepter qu'elle soit morte. They wanted her to be alive and continuing to do the good works. Elle voulait qu'elle revienne vivante pour continuer à pratiquer ses bonnes œuvres. Now, here the Bible says that Peter sent everybody downstairs. Ici, la Bible dit que Pierre a fait sortir tout le monde. And he stayed there alone with her. Alors il est resté tout seul avec le corps de Tabitha. Il s'est agenouillé. And start praying. Il a commencé à prier. I can imagine what kind of prayer he did by that time. Alors je ne sais pas quel genre de prière il a fait en ce moment-là. I can figure out that Peter was saying God. Alors j'imagine que Pierre est en train de dire Seigneur. Look what this woman was doing. Regarde à ce que cette femme était en train and de faire. Et vous voyez que tous ses membres sont en train de her pleurer. Ils sont en train they de se lamenter. Elles veulent qu'ils reviennent à la vie. Please God, Seigneur, s'il te bring her back. Ramène-la à la vie. Bring her back, please, ramène-la, God. S'il te plaît. Look at what she was doing. Regarde à ce qu'elle était en train de faire. And what the Bible said, et ce que la Bible dit. Peter turned to the dead body. Alors Pierre s'est tourné vers le corps. And said, Tabitha. Il a dit Tabitha. Wake up. Lève-toi. Get up. Lève-toi. And the Bible says. Et la Bible dit. She opened her eyes. Elle a ouvert ses yeux. And she looked at Peter. Elle a regardé à Pierre. And Peter held her by the hand. Et Pierre l'a tenu par la main. And he pulled her up. Alors elle a fait lever. So, my brothers and sisters, alors mon frère, ma sœur, can you imagine the reason why Tabitha came back to life? Vous pouvez imaginer la raison pour laquelle Tabitha est revenue à la vie. And here I put a principle. Et ici, je sors un principe to say that the good works can extend your life. Le principe est ceci, c'est que your life. Les bonnes œuvres peuvent étendre votre vie. The good works can give you a long life. Les bonnes œuvres peuvent rallonger votre amen. Vie. Amen. I don't know if you understand what I'm saying. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. That because of her good works, à cause des bonnes œuvres, she came back to life. Elle est revenue à la vie. Because people were claiming what she did. Parce que le peuple était en train de parler hautement de ce qu'elle a the fait. The widows were showing what she did when she was alive. Le veuve était en train de montrer ce qu'elle a fait quand elle and était vivante. And I think that came to the throne of God. Et je pense que cela est arrivé au trône de Dieu. And God granted them their request. Et Dieu leur a accordé leur demande. And he pulled back Tabitha. Et il a fait revenir Tabitha. What do I mean? Qu'est-ce que je veux dire? That if you do the good works, que si vous pratiquez des bonnes œuvres, that can claim the long life for you. Cela peut réclamer une longue vie pour vous. That can make that God will increase your life, the years of your life. Cela peut causer Dieu à augmenter la longueur de votre vie. That can cause God to prolong the years of your life. Cela peut pousser Dieu à prolonger les années de votre vie. Amen. Amen. Are you hearing me? Est-ce que vous m'écoutez?
So it's very, very easy, my brother and sister, to understand that. Alors c'est vraiment important de comprendre cela. That is a calling this morning for you. C'est l'appel aujourd'hui que je vous lance. For you to do the good works. Vous pratiquez des bonnes œuvres. If you want to have a long life. Si vous voulez avoir une vie longue. Do the good things. Pratiquez des bonnes œuvres. And you will reap the long life. Et vous allez avoir pour récompense une longue vie. Amen. Amen. The Bible says. La Bible dit. That Tabitha was a disciple of Jesus Christ. Tabitha était un disciple de Jésus-Christ. Which means that she has faith. Ça veut dire qu'il avait, elle avait la foi. But her faith was demonstrated by the good works. Mais sa foi était démontrée par des bonnes œuvres. Amen. Amen. That was the first thing that I wanted to tell you this morning. The first advantage that we can have from our good good deeds. Et c'est les premiers principes que je voulais nous partager ce matin. C'est les avantages que nous pouvons recevoir en pratiquant de bonnes œuvres. So, my brother and sisters, alors, mon frère, ma sœur, imagine that you die today. Imagine que vous puissiez mourir aujourd'hui. What the people will show? Qu'est-ce que les gens vont montrer? When people will call Pastor Awata? Lorsque les fidèles vont appeler les pasteurs, what are they going to show him? Qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? Belonging to you. Qui viennent de toi, qui t'appartiennent. What are they going to say? Qu'est-ce qu'ils vont dire? What was you doing? Qu'est-ce que tu étais en train de faire lorsque tu étais vivant? Allô? Est-ce que je parle that à quelqu'un? That is a question. C'est une question. If you die today. Si vous mouriez aujourd'hui. What the church will show to other people? Qu'est-ce que l'église va montrer aux autres? That you were doing. Que tu étais en train de faire. What kind of testimony are they going to bear about you? Quel témoignage ils auront à porter à ton sujet? That's a big question. C'est une très grande question. So it is a calling this morning for you. Alors c'est une interpellation aujourd'hui pour vous. To do the good works. De pratiquer les bonnes œuvres. You don't just go to the church. Vous n'avez pas juste aller à l'église. You don't just come in here and worship the Lord. Vous n'avez pas juste à venir ici adorer le Seigneur. You have to demonstrate your faith. With the good works. Vous avez à démontrer votre foi au travers de bonnes œuvres. The second scripture that I have chosen. Le deuxième texte que j'ai à vous montrer, que j'ai choisi. The following chapter. C'est juste les chapitres qui suivent. That is chapter 10. Ça c'est les chapitres 10 des actes des apôtres. Now it reads. Alors, il s'est dit ceci. At Caesarea, there was a man named Cornelius. A centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and good-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Look at how they are describing Cornelius. Voyez comment on est en train de décrire Corneille. This man was a foreigner. Cet homme était un étranger. But they say that he was a God-fearing person. Mais on dit que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Him and his family. Lui et sa famille. They were devout, pieux. Ils étaient dévoués, pieux. And they were praying all the time. Et ils priaient à tout moment. And the Bible says that he used to give generously. Et la Bible dit qu'il était généreux, il donnait généreusement. He was giving generously to those who were in need. Il donnait avec générosité à ceux qui étaient dans le besoin. So you can understand that Cornelius, though he was a foreigner, alors nous pouvons comprendre que Corneille, bien qu'il était un étranger, he was a man who was fearing God. C'était un homme qui craignait Dieu. And he used to give. Et il avait l'habitude de donner. Helping those who were in need. En aidant ceux qui sont dans le besoin. Now the Bible says. Alors la Bible dit. One day at 3 o'clock in the afternoon. Que un jour à 3 heures de l'après-midi à 15 heures. He distinctly saw an angel of God in his house. Il a vu avec distinction un ange de Dieu dans sa maison. And he say, Lord, what is it? Alors il a demandé Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Now the angel told this to him.
Alors l'ange a dit à cet homme, your prayers and your gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Tes prières, alors l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes, tes œuvres pour le pauvre sont parvenues comme un mémoire devant Dieu, yeah, meaning, comme un monument. God has remembered your prayers and your good deeds. Alors Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes bonnes œuvres. God has remembered the good that you were doing to the poor people. Alors Dieu s'est souvenu des bonnes œuvres que tu faisais pour les pauvres. Now in my question, alors dans ma question, it is like all these things that you were doing, c'est comme si toutes ces choses que tu étais en train de faire have become like an offering to God. Sont devenues comme une offrande à Dieu. So the prayers of Cornelius, alors les prières de Corneille, and his good deeds, et ses bonnes œuvres, have become like an offering to God. Sont devenues comme une offrande à Dieu. And now send, there is a man in the name of Peter somewhere. Alors on dit maintenant il y a un homme appelé Pierre quelque part. In on voit Joppa, quelqu'un à Joppa. Go and send people to go and bring him here. Envoyer quelqu'un à Joppé pour le faire venir ici. I want to cut the story short. J'aimerais raccourcir l'histoire ici. And the Bible says that Peter came in the house of Cornelius. La Bible dit que Pierre est venu dans la maison de Corneille. And when he came, et lorsqu'il est venu, remember that was the first time that a Jew got in the house of a foreigner. Souvenez-vous que c'était la première fois qu'un juif puisse venir dans la maison d'un étranger. When you read the story, vous devez lire l'histoire. When you read the story, you will see that God gave a vision to Peter. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que le Seigneur a donné une vision à Pierre. That he must eat everything. Qu'il devrait tout manger sans exception. And he has not to call impure what God has called pure. Et qu'il ne devait pas appeler impur ce que Dieu avait appelé pur. So that was the very first time that Peter get in the house of a foreigner. Alors c'était la toute première fois pour Pierre de venir dans la maison d'un étranger. A person who was not circumcised. Une personne qui n'était pas circoncise. And when he came there, alors lorsqu'il est venu là, the Bible tells us that he started preaching the word of God. La Bible dit que lorsqu'il est venu, il a commencé à prêcher and la parole de while he was busy talking, alors lorsqu'il était occupé à parler, the Holy Spirit came down, le Saint-Esprit est descendu, and those who were in the house started speaking in tongues. Et les gens qui étaient dans la maison ont commencé à parler en langue. God poured his spirit among them. Le Seigneur a déversé son esprit parmi eux. And they were filled with the Holy Spirit. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. And talking in the new tongues. Et ils commençaient à parler en de nouvelles langues. Brothers and sisters, frères et sœurs, why those things happen? Pourquoi est-ce que ces choses se when sont you arrivées? Analyze the text, lorsque vous analysez les textes, all started with Cornelius, tout a commencé avec Corneille. Praying, priant, doing good to people, faisant du bien aux gens, and being a God-fearing man, et étant un homme qui craint Dieu. Not only himself, pas seulement lui-même, the whole family, toute sa famille, they were fearing God, ils craignaient Dieu, and they were doing good to people, et ils faisaient du bien aux gens. So thanks to the good things, alors merci pour le grâce, grâce. Alors grâce aux bonnes choses, aux bonnes œuvres, Cornelius received Peter. Corneille a reçu Pierre. And he received the revelation of the Holy Spirit. Et il a reçu la révélation du Saint-Esprit. And here, brothers and sisters, I can tell you the second principle. Et frères et sœurs, voici le second principe. That your good works, que vos bonnes œuvres, and your prayers, et vos prières, can cause the visitation of God in your life. Peut causer la visitation de Dieu dans votre vie. And can cause the revelation of God in your life. Et peut causer aussi des révélations de Dieu dans votre vie. Cornelius didn't know
Jesus Christ. Corneille ne connaissait pas Jésus-Christ. He was the fearing God man. C'était un homme qui craignait Dieu. But he didn't know the revelation of God in Jesus Christ. Mais il ne connaissait pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ. He was doing good things. Parce qu'il faisait des bonnes œuvres. And he was praying regularly. Parce qu'il le priait régulièrement. God answered his prayers. Dieu a répondu à ses prières. He gave him the revelation, il lui a donné la révélation, the new knowledge une nouvelle of Jesus connaissance de Jésus-Christ. And they were filled with the Holy Spirit. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. And I want to tell you this. Et je voudrais vous dire ceci. This is the very first time. Ça, c'est la toute première fois that the grace of the Holy Spirit que la grâce du Saint-Esprit left the Jew people a quitté les peuples juifs and went to the foreigners. Et est parti chez les étrangers. And this is the first time. Ça c'est la première, la toute première that fois. That we can talk about the intercultural mission of God. Nous pouvons parler d'une mission interculturelle ici. Because for them, parce the Holy Spirit was only for the Jew people. Pour eux, le Saint-Esprit n'était que pour les peuples juifs. But now, the Holy Spirit was also given to other people who are not from the Jew. Mais maintenant le Saint-Esprit était aussi donné à d'autres peuples qui n'étaient pas des Juifs. Pourquoi? Pourquoi? The prayers of Cornelius. Les prières de Corneille. And the good deeds. Et les bonnes œuvres. Brothers and sisters. Frères et sœurs. By doing the good things. En pratiquant les bonnes choses. You can open the gates of heaven. Vous pouvez ouvrir les écluses des cieux. And God can give you the revelation from him. Et Dieu peut t'accorder des révélations venant de lui. He can give you the renewing of the Holy Spirit in your life. Il peut vous donner révélation, renouvellement du Saint-Esprit dans votre vie. Because of your good things. À cause de vos bonnes œuvres. So this morning, alors ce matin, it is a calling from God. C'est une interpellation du Seigneur. For you to pray regularly. Pour vous de prier chaque jour, de prier régulièrement. To pray regularly. De prier régulièrement. And do the good things. Et pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Amen. Talking about the centurion. Alors en parlant du centurion. There is in the book of Luke. Dans le livre de Luc, nous voyons l'évangile selon chapter, Luc. Chapter 7. Au chapitre 7. Verse 1 to 5. À partir du verset 1 au verset 5. There is a story of another centurion. Et là, il y a l'histoire d'un autre centurion. Centenier. D'un autre centenier. In the town of Capernaum. Dans la ville de Capernaum. This centurion had a servant, but that servant was sick. Ce centenier avait un serviteur, mais un serviteur qui était malade. Now he heard about Jesus Christ in the town. Alors il a entendu parler de Jésus-Christ qu'il était dans la now ville. Now he sent some elders to Jesus to tell him to come and heal the servant. Alors il a envoyé certains anciens à Jésus-Christ afin qu'ils viennent pour guérir son serviteur. Now the elders who went to see Jesus Christ. Alors les anciens qui sont partis voir Jésus-Christ. They were telling this to Jesus Christ. Ils ont dit ceci à Jésus-Christ. Lord, Seigneur, this man deserves to get what he requests to you. Cet homme mérite d'avoir ce qu'il te demande. Please answer his prayer. Seigneur, s'il te plaît, réponds à sa requête. Why? Pourquoi? He is a good man. C'est un bon homme. He is the one who built our synagogue. C'est celui qui a construit notre synagogue. And he likes our nation. Et il aime notre peuple. Brothers and sisters, you have here another example of another foreigner. Et bien, frères et sœurs, vous avez ici l'exemple d'un autre étranger. He was a foreigner. C'était un étranger. A soldier. Un soldat. But this man was fearing God. Mais cet homme craignait Dieu. And he built the synagogue for that town. Et il a construit la synagogue pour cette cité. In other words, he built the temple in that city. D'une autre manière, il a construit les temples dans cette cité-là. And he liked the people, the Jew people. Et il aimait les peuples juifs. These are the testimony of the elders about this man. Ça c'est le témoignage de cet homme, des anciens au sujet de cet homme. Once again, I come to you. Et une fois de plus, je viens vers vous. What is the testimony the elders of this church
can bear about you? Quel est le témoignage que les anciens de cette église peuvent porter sur vous? What is your testimony? Quel est votre témoignage? If they ask an elder of this church about you, what is he going to say? Si on demande à un ancien de cette église à ton sujet, que dira-t-il? And look at even the prayer request he was doing. Et écoutez dans la prière qu'il a fait, qu'est-ce qu'il disait? He was asking il demandait for the Lord to heal his servant. Il demandait au Seigneur de guérir son serviteur. And obviously the servant was a Jew. Et clairement ce serviteur c'était un juif. So this was somebody who was committed to the cause of the Jew people. Alors on verra que c'est quelqu'un qui était engagé vraiment dans la cause des peuples juifs. And he was helping them. Et il les aidait. He was doing the good deed. Il pratiquait des bonnes œuvres. And his good deeds et ses bonnes œuvres claim the answer to his prayer. Ont réclamé la réponse his à good ses prières. Claimed the answer from Jesus. Alors les bonnes œuvres ont réclamé une réponse brothers de la part sisters, de Jésus-Christ. Frères et sœurs, can your deed claim the answer of the prayer? Est-ce que vos œuvres peuvent réclamer une réponse? Can à somebody prières? Say, oh Lord, please answer his prayer or answer her prayer because he's a good man or he's a good woman? Est-ce que quelqu'un peut dire, oh Seigneur, réponds à sa prière parce que c'est un homme bon, c'est une bonne femme? Can somebody please in your behalf because of your good deeds? Est-ce que quelqu'un peut plaider à de votre part à cause de vos bonnes œuvres? So many questions that must cause us to do the good works. Alors ce sont des questions qui doivent nous provoquer à pratiquer les bonnes œuvres. They say this he deserves for you to do that for him. Ils ont dit il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Because he loves our nation. Parce qu'il aime notre nation. And he has built our synagogue. Et parce qu'il a construit notre synagogue. So my brothers and sisters. Alors mon frère, ma sœur. Once more, this is an invitation for you to do the good works. Une fois de plus, c'est une invitation pour vous à pratiquer des bonnes œuvres. Because the bonnes œuvres can provoke the answers to your prayer. Parce que les bonnes œuvres peuvent provoquer la réponse à votre prière. The good works can plead for in your behalf. So les that you can get the answer to your prayers. Les bonnes œuvres peuvent plaider à votre endroit afin que vous puissiez recevoir une réponse de la part in de Dieu. In other words, en autre terme, your good works vos bonnes œuvres can talk to the Lord peuvent parler au Seigneur. So that the Lord can answer your prayers. Afin que le Seigneur puisse répondre à vos Amen. Prières. Amen. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Now I'm going to give you the last example. Alors maintenant je vais vous donner les derniers exemples. That will be in the book of 1 Samuel. Ça ce sera dans le livre de 1 Samuel. Chapter 25. Au chapitre 25. 1 Samuel chapter 25. 1 Samuel au chapitre 25. And that verse I choose it. Ce verset je l'ai choisi. Because we have a marriage. Parce que nous avons un mariage. And I'm going to talk to the couple here. Et j'aurai à parler au couple ici. About the marriage. Au sujet du mariage. Now the Bible says. Alors la Bible dit. In the city of Carmel. Dans la cité. Mont Carmel. Dans la cité du Mont Carmel. There was a man in the name of Nabal. Il y avait un homme au nom de Nabal. This man was a wealthy man. Wealthy. C'était un homme riche. And he had a lot of properties and a lot of things. Il avait un très grand nombre de propriétés et beaucoup de choses. And in the wilderness, alors dans les déserts, there was David. Il y avait David dans les déserts. And David didn't have food. Et David n'avait pas de nourriture. Now he heard that Nabal is in the Mount Carmel. Alors il a entendu dire que Nabal restait sur le Mont Carmel. Now he sent his people to Nabal. Alors il a envoyé ses gens vers Nabal to ask for food. Afin de demander de la nourriture. Now when his people came to Nabal, alors lorsque ses gens sont arrivés chez Nabal, Nabal refused
to give them food. Nabal a refusé de leur donner de la nourriture. And David was what can I say? He was very, very furious. Et David était très, très fâché. It was, he was upset. Il était vraiment, vraiment déçu. Now he decided to go and to destroy Nabal and all his family. Et il a décidé de partir détruire Nabal et toute sa famille. Now, when David was busy preparing to come and destroy, lorsque David était occupé à se préparer à venir détruire cette famille, one of the servants of Nabal, l'un des serviteurs de Nabal, told his wife, a dit à sa femme, he said, "Look what happened here. You didn't know." Voici ce qui se passe. Toi, tu ne savais pas. David sent from the wilderness. David a envoyé du désert, so that we can give him food. Afin que pour demander de la nourriture, afin que nous puissions donner de la nourriture. But Nabal was rude towards him. Mais Nabal a été très, très impoli à son endroit. Now look what David has decided. Mais voici ce que David a décidé. David will come and destroy all our property. David viendra et va détruire toute notre propriété, tout ce que nous avons. So you have to do something quickly. Alors tu dois faire quelque chose très vite. Now the Bible says. Alors la Bible dit that Nabal had a wife. Que Nabal avait une femme. By the name of Abigail. Une femme qui avait le nom d'Abigail. And they describe her as a beautiful wife and intelligent. Alors on la décrit comme une très belle femme et une femme très intelligente. So Abigail was very intelligent and beautiful. Alors Abigail était une femme très belle et très intelligente. And the Bible says what she did. Et la Bible dit que qu'est-ce qu'elle a fait? She took a lot of food. Elle a pris beaucoup de nourriture. And she gave to her servant. Et alors elle a donné aux serviteurs. And he told them go and give them to David. Et leur a dit allez-y et donnez cela à David. And I will follow you behind. Et moi je vous suivrai après. And when she came. Et lorsqu'il est arrivé. She knelt down. Elle s'est agenouillée. And she asked for forgiveness to David. Et elle a demandé pardon à David. And she said that that was her fault, her own fault. Et elle a dit que c'était sa faute, sa propre faute. And she asked David to don't mind her husband. Et elle a demandé à David de ne pas faire attention à son mari. Because her husband was like his name. Parce qu'elle a dit que son mari ressemblait à son nom. Because he was a fool. Parce qu'il était un fou. And he was manifesting the foolishness. Et il manifestait sa folie. Brothers and sisters. Frères et sœurs. David granted the forgiveness to Abigail. David a accordé le pardon à Abigail. And he received all the food that he has brought to him. Et il a reçu toute la nourriture qu'elle lui avait apportée. And Abigail told David to remember her. When he will be established in his power. Et Abigail a demandé à David de se souvenir d'elle lorsqu'il sera établi en pouvoir. If you read the story, si vous lisez l'histoire, you will understand. Vous comprendrez that Abigail was a good wife. Vous comprenez que Abigail est une bonne femme. And because of her good deeds, et à cause de ses bonnes œuvres, she saved her property. Elle a sauvé sa propriété. She saved her children. Elle a sauvé la vie de ses enfants. And she saved even her servant. Elle a sauvé même la vie de ses serviteurs. Now the Bible says. Alors la Bible dit. 10 days after. 10 jours après. Nabal died. Nabal est mort. He was got by heart attack. Il a été saisi par une attaque. Heart attack. Heart attack, c'est crise cardiaque. Yes. Now, and he died. And he died. Et il est mort de cela. Now, what happened else? Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? The Bible says, la Bible dit, when David heard that Nabal was dead, lorsque David a entendu dire que Nabal était mort, he sent to ask for marriage to Abigail. Il a demandé la main d'Abigail. Amen. Amen. What I can say? Qu'est-ce que je peux dire? Before I finish, avant que je ne finisse, your good deeds, tes bonnes œuvres, can give you a husband, peuvent te donner un mari. Your good deeds, tes bonnes œuvres, can take you
in the royal family. Peuvent vous faire entrer dans la famille royale. Your good deeds, vos bonnes œuvres, can cause you to get a lot of things from God. Peuvent vous pousser, provoquer que vous puissiez avoir de bonnes choses de Dieu. Brothers and sisters, frères et sœurs, I talk about three or four principles. J'ai parlé de trois ou quatre principes. The first one I said, le premier principe, j'ai dit, that the good deeds can bring the extension of your life. Que les bonnes œuvres peuvent étendre votre vie, la longueur de votre vie. You may have a long life thanks to your good deeds. Vous pouvez avoir une longue life, une longue vie grâce aux bonnes œuvres. The second principle that I said, et le deuxième principe que j'ai dit, you may receive God's visitation thanks to your good deeds. Vous pouvez recevoir une visitation de Dieu grâce à vos bonnes œuvres. God can remember your good deeds and your prayers. Dieu peut se souvenir de vos bonnes œuvres et vos prières. He can bless you with the renewal of the Holy Spirit in your life. Et il peut vous bénir par un renouvellement du Saint-Esprit dans votre vie. Through your good deeds, au travers vos bonnes œuvres, you may be saved from the death. Vous pouvez être sauvé de la mort. We can save your family, your children, even your property. Vous pouvez sauver votre famille, vos enfants et même votre possession. Now I'm talking about the people who are supposed to be blessed here. Alors je parle de gens qui sont censés être bénis ici. That is Fridolin and Arlette. Ça c'est Fridolin et Arlette. You came this morning to ask the blessing for your marriage. Vous êtes venu aujourd'hui demander une bénédiction pour votre mariage. You cannot make it. Vous n'arriverez pas. You cannot make it. Vous n'arriverez pas. See, if you don't have a good works. Si vous n'avez pas de bonnes œuvres. If you need to have a good marriage. Si vous voulez avoir un bon mariage. Each one of you must commit himself or herself. Chacun d'entre vous doit s'engager lui-même. To do good to his wife. Pour pratiquer du bien à sa or femme. Or to do good to your husband. Or pratiquer du bien, faire du bien à and son mari. And you husband. Et toi, mari. You must love your wife. Tu dois aimer ta femme. You have to protect her. Tu dois la protéger. You have to respect her. Tu dois la respecter. You have to take care of her. Tu dois prendre soin d'elle. You have to show that you love her. Tu dois montrer que tu l'aimes. You need to apply the good deeds in your life. Tu dois pratiquer ces bonnes œuvres dans ta vie. You must bring happiness to your wife. Tu dois amener de la joie à ta femme. And you, wife. Et toi, femme. If you want a good life in your marriage. Si tu veux une bonne vie dans ton mariage. You need to submit yourself to your husband. Tu dois te soumettre à ton mari. You need to love your husband. Tu dois aimer ton mari. You need to respect your husband. Tu dois respecter ton mari. You need to welcome your in-laws. Tu dois recevoir les gens de sa famille. La belle famille. Ta belle famille. Yeah. So you need to be a good wife. Tu dois être une bonne femme. You must do good to your husband. Tu dois faire du bien à and ton mari. And you will have the happiness in your marriage. Et cela va amener le bonheur dans ton mariage. What you sow, c'est que tu as semé. You will reap it. C'est ce que tu vas récolter. So do to your partner. Alors fais à ton partenaire. What you would like yourself your partner to do. C'est que tu aimerais que ton partenaire fasse pour toi. The happiness in the marriage, c'est bonheur dans les mariages. It is a choice. C'est un choix. It is a decision. C'est une décision. That you have to make. Que tu dois prendre. It does not come like that. Ça ne vient pas juste comme ça. So you can make it. Alors tu peux le faire. Thanks to your prayer. Grâce à tes prières. And to the help of the Holy Spirit. Et avec l'aide du you Saint-Esprit. You have come here. Tu es venu, vous êtes venu ici. So that God may bless you. Afin que Dieu puisse vous bénir. To give you strength. Pour vous donner de la force. And the power of the Holy Spirit. Et la puissance du Saint-Esprit. So that you may live happiness in your life. Afin que vous puissiez vivre ce bonheur dans votre vie. So the happiness in the marriage is a choice. Alors
Le bonheur dans les mariages, c'est un choix. You need to commit yourself to prayer. Vous devez vous engager à prier. And to read the word of God. Et de lire la parole de Dieu. As much as you obey the word of God. Et comme vous obéirez la parole de Dieu. And God will lead you. Dieu va vous conduire. You don't get married for some days. Vous ne vous mariez pas pour un petit nombre de temps. You are getting married for good. Vous vous mariez pour de bon. So you must do your best. Alors vous devez faire le mieux que vous pouvez. So that you may bring happiness in your marriage. Afin que vous puissiez apporter ce bonheur dans votre mariage. We don't want to hear after some days. Nous ne voulons pas entendre après quelques jours. That you have a problem. Que vous avez des problèmes. That the wife has gone back to her family. Que la femme retournée dans sa famille. And the husband started saying, no, I didn't know that she was this and that. Et entendre que non, je ne savais pas qu'elle était ceci ou cela. It is a commitment. C'est un engagement. That is what you are going to do now. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Each one of you must commit himself. Chacun d'entre vous doit prendre l'engagement. To obey the word of God about the marriage. D'obéir la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit sur le mariage. You know that the marriage is for good. Vous savez que le mariage c'est pour de bon. And you know that the marriage it is between a man and a woman. Et vous savez que la parole de Dieu dit que le mariage c'est entre un homme et une femme. No one else must come between you. Personne ne doit venir au milieu you de vous. You need to be careful of that. Alors vous devez faire très attention avec cela. The Holy Spirit will help you. Le Saint-Esprit va vous aider. And the Holy Spirit will lead you. Et les anciens vont vous conduire. So that you may have a good marriage. Afin que vous puissiez avoir un très bon mariage. Remember. Les membres. Remember that the good deeds will help you. Souvenez-vous que les bonnes œuvres vont vous aider. When you sow the good deeds. Lorsque vous semez les bonnes œuvres. And you will reap good things from God. Alors vous allez récolter des bonnes choses and la part God de Dieu. Will bless you. Et Dieu va vous bénir. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Be blessed. Vous bénis. I call the choir to come and praise the Lord. So that they can get in and we are going to proceed.